Ils sont au nombre de 16 étudiants à recevoir ce samedi des mains de leurs parents leur diplôme de formation. Durant 9 mois, ces étudiants de la Kingdom Life University ont été formés en théologie politique et leadership appliqué. Dans un monde en quête de véritables leaders, la formation que nous avons reçue ici à Kingdom Life University nous appelle à répondre à cet appel pressant, comme l'affirme l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 19. Où il dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, nous sommes ces hommes et ces femmes que le monde attend. Cette formation a permis à ces derniers de comprendre les rouages de la politique en s'enracinant dans les valeurs morales et spirituelles. La formation dispensée ici à Kingdom Life est unique en son genre. Elle allie la rigueur intellectuelle des sciences politiques à une théologie appliquée qui engage à agir avec intégrité et compassion. Cette approche holistique est la clé pour forger des leaders capables de répondre aux défis complexes du Gabon moderne. Pour le parrain de cette première promotion, le diplôme qu'ont reçu ses filleuls n'est pas simplement une attestation de réussite académique, il est aussi le témoignage de leur engagement à embrasser une mission bien plus grande, celle de servir. Je vous exhorte donc à vous souvenir que votre formation n'est pas une fin en soi, elle est un commencement. Vous entrez désormais dans un monde où vos compétences, votre caractère et votre foi seront constamment mis à l'épreuve, que ce soit dans la sphère politique, sociale ou spirituelle. N'oubliez jamais que vous portez le mandat de servir, de diriger avec humilité. Le parrain de cette promotion, par ailleurs, ministre gabonais de transport a invité les autorités de la transition à considérer ces diplômés comme étant des ressources stratégiques pour l'avenir du Gabon. Ces étudiants sont prêts, selon lui, à apporter des réponses concrètes aux enjeux de gouvernance et de leadership du pays.